Vous ne pourriez pas aller un peu plus vite? Rien ne vous empêche de venir le faire vous-même. Oh, 7 ans et rien n'a changé. 7 ans? Qu'est-ce que vous racontez? C'est une façon de parler. Vous êtes vraiment très étrange. Et encore, si elle savait... Ah, nous progressons. Je crois qu'il y a une cloche dans la tour. Amenez-moi au balcon suivant et je trancherai sa corde. Vous pourrez l'utiliser pour atteindre le levier de la porte. Avec ma chance, ça va encore déclencher un piège horrible. Ou appeler des monstres de sable. Ou déclencher l'apocalypse. Ça vous ferait mal d'être un tout petit peu optimiste? L'expérience m'a appris que rêver éveillé conduit toujours à des déceptions.
Vous voyez? Vous avez réussi? Nous avons réussi. À l'intérieur. Il faut les aider. Allez-y, Farah. Occupez-vous des blessés. Je vous rejoindrai quand j'aurai réglé son compte au vizir. Ainsi, le prince et Farah se séparèrent. Elle voulait sauver des vies, lui voulait tuer. Car il avait la ferme intention d'affronter son ennemi, en utilisant peut-être les puissants guerriers cachés dans le temple. Les idées de vengeance se bousculaient dans sa tête. Mais il y avait aussi autre chose. Alors qu'il descendait, ses pensées ne cessaient de revenir à Farah. Et il se demandait si elle aussi pensait à lui. Voulez-vous que je reprenne à partir? Je poursuivrai mon récit à partir de ce point la prochaine fois. Envahir une ville est une chose, mais le faire avec autant de violence et de cruauté en est une autre. Je lui rendrai au centuple les coups qu'il a portés à mon royaume. Nous sommes tout prêts, mon prince. Faisons-le souffrir. Thank you.
Je suis Zerma, le dieu du temps. Je m'apporte deux maisons. Qu'est-ce qu'il lui fait? Reste en position! Je le laisse pas! La dernière ligne de Babylone a cédé. Ces hommes nous ont servi fidèlement. Mais maintenant qu'ils sont morts, la cité est aux mains du vizir. Chaque fois que je le rejoins, il s'enfuit. Pourquoi a-t-il peur de m'affronter? Ce serait si facile s'il se battait. Tout ne se résume pas au combat, mon prince. Certaines batailles se livrent autrement. J'ai bien peur que nous ayons sous-estimé notre adversaire. Ne reproduisons pas cette erreur. Babylone s'était finalement rendu et personne ne pouvait plus venir en aide au prince. Il était désormais le seul espoir de la cité. Et s'il échouait, son univers serait détruit à tout jamais. Car
le vizir ne pouvait se contenter d'être roi. Il voulait être un dieu. Le prince avait-il conscience de la situation et accepterait-il cette responsabilité? Était-il prêt à devenir un héros? Est-ce que ça va? Il m'a échappé. Et vous? Et les soldats? Ils sont tous morts. Tous. Mais j'ai vu le vizir. Ou plutôt ce qu'il est devenu. Il s'est enfui en direction du palais. Alors nous savons où aller. D'accord. Mais je crois bien que... je suis coincée. Vous pouvez ouvrir cette porte? La galanterie, c'est très bien. Mais là, je crois que tu exagères un peu. Thank you.
Merci, prince. De rien. Sauf que c'est moi qui suis piégé maintenant. C'est bien une femme. Tu règles ses problèmes et c'est toi qui as des ennuis. Permettez-moi de vous rendre l'appareil. Vous disiez ? Avance. J'espère que Farah va bien. Tu passes bien trop de temps à te préoccuper d'elle. Est-ce bien nécessaire? Vous semblez contrarié. Vous êtes jaloux. Occupe-toi plutôt de rejoindre le palais. Jamais vous devez partir. Faudra-t-il que je vienne ? C'est un excellent endroit où reprendre notre histoire la prochaine fois.